suis venu en soutien du Convoi des Libertés. Voilà, de toute façon, c'est quelque chose qui, dans sa philosophie, nous plaît beaucoup, c'est-à-dire la défense de tous, et puis sur des idées pacifistes, dans la bonne humeur. Et puis on sait que c'est des gens qui vont se prendre des rafales, vous êtes irresponsables, vous êtes des violents, vous n'êtes pas beaux. Moi, je suis venu en soutien moral pour leur dire il y a aussi des élus qui vous soutiennent et qui trouvent que ce que vous êtes en train de défendre, c'est bien. Bien. C'est pas l'ampleur que ça va prendre, sachant qu'après ce mouvement va partir sur Bruxelles, donc il y aura, ça sera un peu. Je pense qu'il y aura du monde et puis ça va être européen. Je suis un citoyen concerné par les libertés fondamentales, qui sont. C'est un mot qui est écrit sur le drapeau et moi je sens qu'il part. Au fil de l'eau, au fil des lois, au fil de tout ce qu'on peut voir qui se passe au niveau politique, au niveau restrictions, qui sont aujourd'hui même presque, c'est même plus des restrictions sanitaires, c'est devenu complètement politique. Pour le média. Je suis là pour défendre toutes nos libertés et spécialement contre le pass vaccinal, bien sûr, et tous les QR codes, quoi qu'ils soient. Moi, je suis non vaccinée, je suis non testée, donc le pass vaccinal, effectivement, c'est de la discrimination qui ne devrait pas exister dans notre pays. Donc contre le pass vaccinal, mais pas que, contre les injustices sociales qu'il y a aussi également dans notre pays et toutes les augmentations qu'il y a, sauf des salaires, des retraites et des aides pour les personnes pauvres. Où va notre argent? Moi, j'ai une question pour eux tous. Où va notre argent? On n'en peut plus, on n'en veut plus. Donc tous ensemble, dans l'amour et la bonne humeur, on y arrive, on va venir les voir.